Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Nous allons découvrir ensemble votre guidance de l'année 2022. Et pour ce faire, je vais utiliser, comme d'habitude, les cartes signes du portail des 12 d'Aliaské, les arcanes majeures du tarot de Marseille, le Prisma Vision Tarot, The Light Seers Tarot et le tarot du Funambule. Comme les deux années précédentes, je vais d'abord faire une roue astrologique des 12 maisons pour votre année. Ensuite, on passera avec trois cartes pour chaque mois. Une carte qui nous donnera l'événement principal ou en tout cas la tendance du mois, une carte qui nous donnera un conseil et une autre carte qui nous donnera un résultat possible, un fait, une action ou une ambiance possible pour ce mois. Donc pour ce faire, je vais utiliser tous ces tarots dont vous trouverez les liens juste en dessous dans la vidéo si vous voulez vous les procurer ou aller les voir de plus près. Cette année, je vous proposerai des formations au tarot sous différentes formes. Des formations aux arcanes majeures uniquement, à l'endroit, à l'envers, des formations aux arcanes mineures. Je ne manquerai pas de diffuser les dates dans les introductions de mes prochaines vidéos tous les mois. Je vous avertirai suffisamment à l'avance qu'il y a une formation d'ouverte et que les inscriptions sont donc possibles à partir de ce moment-là. Donc voilà, pour l'instant, il y en a une de prévue sur le week-end du 26 et 27 février, me semble-t-il. C'est une formation arcane majeure à l'endroit, pour travailler le tirage en croix et être en capacité à la fin de ce week-end de formation de répondre à pratiquement toutes vos questions. Donc voilà, cette année il y en aura plein d'autres, je n'ai pas encore défini les dates mais ça viendra. Je voulais remercier également tous les abonnés, profiter de cette fin d'année pour vous remercier tous, également ceux qui ont souscrit à la chaîne pour me soutenir. Et bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur le bouton abonner qui se situe en bas à droite si vous appréciez mes vidéos, car ça soutient la chaîne, ça lui permet une visibilité et ça m'encourage à continuer. Je le rappelle, ce sont des guidances qui ont pour objectif de vous donner des pistes de réflexion quant aux événements qui traversent votre vie. Elles n'ont pas d'autre ambition. C'est vraiment important, à mon sens, que une guidance puisse vous permettre de vous positionner par rapport à des événements. Parfois, quand ils arrivent, on est un peu pris de court, on ne sait pas trop, et d'entendre quelque chose qui va vous parler de ça, qui va peut-être donner des conseils ou des pistes de réflexion, ça peut aider à prendre de la distance, et en tout cas, c'est l'objectif de mes guidances. Je sais par plein de retours, de commentaires, de messages, de mails, que ça a aidé un bon nombre de vous cette année et j'en suis ravie. Je vous remercie vraiment pour tous ces retours. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos commentaires. Je vais vous souhaiter une année 2022 aussi bonne que possible au vu des circonstances actuelles, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait aussi des belles choses qui se passent dans cette année pour chacun de nous individuellement. Donc, bah écoutez, voilà, j'espère vous retrouver tout au long de cette année au travers des guidances mensuelles, comme l'année précédente. Et pour les nouveaux, je vous souhaite bienvenue parmi nous. Allez, c'est parti, on y va pour votre guidance. Les balances, allons voir votre roue astrologique pour l'année 2022. Alors, vous avez vu, vous avez la visite de Monsieur Chat, qui est là, qui a décidé de venir observer ce que j'allais vous dire pour votre année 2022, les balances. Allez, c'est parti. Donc, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, loulou. Allez, balance, année 2022, roue astrologique pour les 12 maisons. Allez, maison 1. Ah, celle-là veut sortir. Maison 2. Maison 3. Maison 4. Maison 5. Maison 6. Maison 7. Maison 8, maison 9, 10, maison 11 et maison 12. Alors, c'est parti. Voilà,
Alors, les balances. Bon, déjà, on a l'étoile en maison 1. La maison 1, c'est votre personnalité, on va dire, votre humeur dominante ou les dispositions que vous allez avoir pour l'année. Donc, ce n'est pas un fait, ça ne nous dit pas ce qui va se passer, ça nous dit comment vous allez être. Et avec l'étoile, vous êtes confiant, optimiste, serein, vous croyez en votre bonne étoile, vous savez que cette année 2002, de toute façon, vous allez être à l'écoute des signes, à l'écoute de ce qui peut se passer autour de vous. Donc, déjà, c'est une disposition plutôt positive, hein, puisque vous êtes quand même très à l'écoute de votre environnement et vous êtes prêt à suivre le mouvement, à vous adapter. Finalement, c'est ce que ça veut dire avec l'étoile. Puisqu'on est à l'écoute des signes et qu'on est prêt à les entendre et à les faire exister dans sa vie, ça veut dire que on lâche un peu de maîtrise. Et pour les balances, c'est intéressant de lâcher un peu de maîtrise. Donc, c'est une année normalement qui devrait vous permettre de vous insérer dans la dynamique de la vie. Alors, non pas que vous n'y êtes pas d'habitude, hein, mais en tout cas, voilà, il y aura peut-être moins de résistance, il y aura peut-être moins de choses qui vont sur lesquelles vous allez vous arrêter, dans le sens où vous pourriez prendre les épreuves comme des occasions de grandir, hein, même si ça n'enlève pas la difficulté de l'épreuve ni la douleur qu'elle peut provoquer. Il y a une espèce de philosophie de vie avec l'étoile qui dit que tout ce qui arrive, pardon, n'arrive pas pour rien, a un sens et doit avoir un but. Et c'est vraiment cette philosophie de vie que vous allez avoir sur l'année 2022. Alors, sur la maison 2, qui est un petit peu plus pragmatique, là, on va redescendre un peu dans les choses matérielles purement. Donc, c'est les finances, c'est les avoirs, c'est tout ce qui est vos biens. Hein, donc, on est dans le pratique. Avec le mât, on se dit, bah, il y a quelque chose de nouveau qui pourrait se passer. Il y a une nouvelle page qui peut s'ouvrir, il y a une aventure qui pourrait commencer, alors un achat, un investissement, le fait de lâcher aussi, hein, on peut être dans quelque chose de lâcher par exemple son salaire fixe pour faire une autre activité. On a tout ce qui va nous permettre de partir confiant vers l'avenir. Alors c'est assez étonnant parce que c'est exactement ce que je vous disais là, hein, votre état d'esprit, il est plutôt à vous lancer avec confiance dans la vie. Et le mât, c'est ça, c'est je me lance, je pars à l'aventure, je sais de toute façon que j'ai les outils, hein, dans le petit baluchon, il a acquis suffisamment d'expérience pour pouvoir réagir aux événements. Et donc il part confiant, sans trop savoir où il va, mais il prend un risque, mais il est optimiste dans cette prise de risque. Hein. Quand il est à l'endroit, il y a vraiment, ou quand il est bien positionné, il y a cette capacité chez le mât à se dire, ok, mais de toute façon, on réagira comme il faut. Donc au niveau de vos finances, vous pourriez prendre un risque pour ouvrir une nouvelle page, pour démarrer quelque chose de nouveau, pour entamer en tout cas une nouvelle aventure. Sur la maison 3, la maison 3 va représenter votre famille proche horizontale, frères, sœurs, les oncles et les tantes. Hein, on n'est pas sur de la verticalité, c'est pas les grands-parents, les parents ou les enfants. On est plutôt sur tout ce qui est horizontal au niveau de la famille. Et on est aussi avec les gens que vous croisez dans votre quotidien. C'est-à-dire que si vous êtes commerçant, c'est vos clients. Si vous êtes, je ne sais pas, si vous travaillez dans le soin, c'est vos patients. Si vous faites un job, je ne sais pas, de bureau, c'est vos collègues. C'est la boulangère, c'est tout ça. C'est vos relations avec les gens que vous croisez au quotidien qui n'ont pas forcément un lien direct très fort avec vous. Ici, le diable inversé nous dit qu'il y a de la frustration, qu'on se contente de peu. Je ne suis pas très étonnée parce que la conjoncture actuelle, hein, qui fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont réduites, restreintes, les liens sociaux sont quand même diminués pas mal, hein, il faut le dire, et par période, eh bien, avec le diable, on est dans quelque chose. Le diable inversé, c'est l'ascétisme, hein, c'est je me contente de peu, je suis capable de faire des sacrifices, je suis dans la frustration, alors que comme ça, on est vraiment dans l'opulence, on est dans les excès et tout ça. Hein. Donc, ici, on voit que dans les liens sociaux quotidiens, il y a de la frustration. Vous n'aurez pas autant de liens que vous le souhaitez avec les gens que vous croisez tous les jours. Alors dans le foyer, et là aussi c'est assez cohérent, le monde inversé, c'est pas forcément l'échec, hein, souvent il est interprété comme ça. Alors c'est surtout le non-aboutissement peut-être de certains projets dans le foyer. Donc le foyer c'est la maison par exemple, c'est votre lieu de vie, c'est aussi parents-enfants, hein, c'est-à-dire que si vous avez des enfants qui vivent avec vous, ça va représenter cette partie-là de votre vie. Si vous n'avez pas de conjoint, pas d'enfant, c'est votre foyer, vous, votre maison. Avec le monde inversé, on a quelque chose qui nous dit qu'on reste dans un périmètre restreint, c'est-à-dire qu'on va probablement
avoir envie de rester chez soi, de rester avec sa famille proche. Alors c'est vrai que dit comme ça fait penser à on pourrait presque dire, mais va-t-il y avoir un nouveau confinement en 2022? Bon, votre tirage ne le dit pas, hein, c'est le tirage que des balances. En tout cas, on peut voir que chez vous, il va y avoir une envie de vous recentrer, hein, pour le moins, en tout cas, une envie de vous recentrer sur votre foyer, sur votre famille, sur ce qui est à l'intérieur de vous-même, et on pourrait peut-être ne pas aboutir sur certains projets. Maintenant, que le monde nous dise qu'on n'aboutit pas ne veut pas dire qu'on n'aboutira jamais, ça nous dit juste que ce n'est peut-être pas l'année de la finalisation des projets, c'est tout, hein, il n'y a pas d'échec. Un échec serait une maison Dieu, serait peut-être une arcane 13, ou à la limite un chariot inversé nous mène un peu plus à l'échec que le monde inversé qui lui nous parle plutôt de restrictions. On reste sur une sphère assez contenue, on reste à l'intérieur, hein, puisque ça c'est l'expansion, l'ouverture. Ici c'est plutôt la fermeture, la restriction. Donc avec ces deux-là, on voit que vos liens sociaux, et d'ailleurs on verra, hein, parce que tout ce qui va nous donner finalement des indices sur votre vie sociale, ce sont ces quatre cartes-là. La maison 3, comme je l'ai dit, hein, je vous ai expliqué, la maison 4 pour votre foyer, celle-ci c'est la carte du conjoint ou des autres, et ça c'est vos amitiés. Donc on voit bien qu'il y a une envie, ou en tout cas un constat, on se reconcentre, on reste quand même assez centré sur soi et sur ses proches, très proches. La maison 5. La maison 5, c'est alors à la fois les loisirs, à la fois les amours et à la fois les enfants. Alors, les loisirs, avec le pendu, on voit que il y a des choses qui bloquent et qui vous demandent de les voir différemment. Peut-être que vous ne pouvez plus pratiquer vos loisirs tels que vous le faisiez avant, ce qui est fort probable au vu des circonstances. Et donc, vous devez essayer de trouver, hein, une autre façon de voir les choses pour pouvoir débloquer la situation. Ça va être dans la question des loisirs. Alors, ça peut être parce que la conjoncture fait que vous n'arrivez pas à pratiquer vos loisirs, mais ça peut être aussi intrinsèque, hein, c'est-à-dire vous pouvez avoir eu peut-être une difficulté de santé qui fait que vous n'avez plus la même capacité sportive, ou alors quand je dis sportive ou autre, hein, ça peut être artistique, c'est toutes les passions, c'est tout ce qui vous passionne. En tout cas, il y a là la nécessité de voir les choses sous un autre angle pour ne pas rester bloqué. Dans les amours, c'est pareil. J'ai envie de... Pardon. J'ai envie de vous dire qu'il va falloir essayer de voir les choses sous un autre angle. Est-ce qu'il est possible d'aborder la relation à l'autre, hein, la séduction? Alors, bien sûr, si vous êtes en couple, ça peut nous parler de votre besoin de plaire, de votre rapport aux autres, hein, dans la séduction générale. Et si vous êtes célibataire, ça va nous parler de votre vie amoureuse et des rencontres potentielles. Ici, on nous dit la nécessité quand même, c'est de modifier sa vision des choses pour ne pas rester bloqué. Alors, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer, essayez d'analyser la façon dont vous vous présentez, alors pas vous vous présentez aux autres, hein, mais dont vous la façon que vous avez d'être face à une rencontre potentielle. Est-ce que c'est la bonne façon? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que finalement ça reflète vraiment votre personnalité? Ou est-ce que vous avez l'impression d'être obligé d'être comme ça ou d'agir comme ça pour obtenir quelque chose? Ce ne serait pas étonnant avec les balances qui êtes quand même très sensibles aux autres, très sensibles à l'adaptation. Hein, vous avez une très bonne capacité à vous fondre dans un décor, dans un comportement, pour ne pas faire de vagues, pour être en harmonie avec votre environnement. Alors c'est une très belle qualité que j'admire énormément, mais qui peut vous desservir parfois. Et ici, on voit que peut-être dans la rencontre, il y a une posture qui ne serait pas la bonne, ou en tout cas qui ne vous aide pas, qui ne vous permet pas d'accéder à une rencontre telle que vous la souhaitez. Donc ici, on va vous proposer de voir les choses sous un autre angle et d'essayer d'adopter peut-être un autre comportement pour débloquer les choses. Avec le pendu chez les enfants, c'est pareil. Peut-être qu'il y a des blocages relationnels avec certains de vos enfants. Et le pendu vous donne toujours le même conseil, hein, c'est essayer de vous décaler, de prendre un peu de champ par rapport à la situation avec vos enfants pour avoir toujours une vision décalée, une vision différente de la situation, du problème, de la personne. Quoi qu'il en soit, on va vous demander vraiment de vous extraire de votre position pour essayer de prendre le point de vue d'un autre. On a dans la maison 6 l'empereur inversé. La maison 6, c'est le quotidien, c'est votre travail quotidien, c'est votre santé, c'est ce que vous faites, vos tâches quotidiennes. Avec l'empereur inversé, on voit que vous êtes un peu déstabilisé. Alors,
Quel changement y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe dans votre foyer? On voit que vous resserrez beaucoup, hein, que vous venez vous recroqueviller dans votre foyer. Est-ce que c'est parce qu'il y a, pardon, est-ce que c'est parce qu'il y a des difficultés au niveau professionnel, à d'autres niveaux? Peut-être. En tout cas, on voit que dans le quotidien, il y a quand même une déstabilisation de votre part, hein, qui fait que peut-être vous ne vous sentez pas tout à fait en sécurité, ce qui pourrait expliquer le fait que vous resserrez. Hein, que vous resserrez. On peut avoir une difficulté avec le conjoint, effectivement, le chariot, comme je l'ai dit, hein, peut représenter davantage l'échec que le monde inversé. On a avec le conjoint, pour ceux qui en ont, une situation qui n'est pas optimale, qui n'avance pas dans la bonne direction, qui pourrait mener à un échec. Si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas en couple, on vous dit, ben, essayez d'adopter... Excusez-moi, aujourd'hui, j'ai des soucis avec ma voix. Si vous n'êtes pas en couple, donc, comme je disais, on vous propose d'adopter une autre vision des choses parce que sinon, ça n'avance pas. Vous n'arrivez pas à aller vers l'objectif que vous êtes fixé, donc une relation telle que vous le souhaitez. Donc, on voit bien ici qu'il y a de la déstabilisation. Est-ce que c'est à cause du foyer? Est-ce que c'est à cause du travail? Quoi qu'il en soit, ça provoque chez vous un mouvement de repli sur le foyer. Alors, la maison 8 va vous donner votre défi de l'année, votre challenge, ce par quoi vous devez passer, le travail, la transformation à opérer. Alors, c'est marrant parce que c'est l'arcane 13 inversé. On vous dit qu'il y a des changements à faire, mais attention, et là, ça va plaire aux balances puisque vous n'êtes pas trop dans la sphère radicale, hein, même si parfois, quand on vous énerve, vous pouvez exploser, c'est pas trop la question, mais vous êtes quand même plutôt pour conserver une espèce d'homéostasie dans votre vie. Et là, on vous dit, bah oui, votre challenge, c'est quand même de faire des modifications. C'est quand même d'aller vers des changements. Mais tranquillement, progressivement, en transition. L'arcane 13 ne fait rien brutalement, ne fait rien soudainement. Elle fait les choses au fur et à mesure. Il y a un changement profond et durable qui s'opère, mais dans le temps, en lenteur, là où il faut, quand il faut. Donc ici, on vous dit que votre challenge, ça va être quand même d'opérer ces changements. Où peuvent-ils se situer ces changements? Déjà dans le fait de suivre un peu ce que l'univers va vous donner comme message, comme guidance, hein, on va dire. Ici, on voit bien que matériellement, il y a peut-être une prise de risque à faire. Peut-être qu'il va y avoir des changements pratiques dans votre vie. Hein. Peut-être qu'il va y avoir une autre façon de voir. Est-ce que ce changement-là, cette transformation, elle va aussi concerner votre vision de la relation, du couple? C'est possible, ça peut être un axe de travail également. Vous êtes tous différents, vous en êtes tous à des stades différents de votre travail personnel, de votre évolution. Donc, évidemment que cette transformation-là va concerner des points bien précis chez vous qui ne seront pas les mêmes pour tous. Mais vous savez, avec l'arcane 13 en maison 8, que vous avez des choses à modifier, qu'il va falloir faire un travail de transformation profonde, mais en douceur. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ici, en maison 9, le pape inversé. Génial. La maison 9, alors oui, ok, c'est les voyages. Les voyages ne seront pas très propices en 2022, mais enfin bon, mis à part les vierges qui ont le monde ici, jusqu'à présent, tout le monde a un truc assez fermé. Donc, bon, je ne sais pas ce qu'on peut en déduire, je verrai à la fin des 12 signes, mais est-ce qu'il y a quelque chose de général? Je n'en sais rien, mais sur les voyages réels, le pape inversé dit non. Hein, donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas du tout, ça veut dire peut-être qu'ils ne seront pas facilités, que voilà, les choses vont peut-être être un peu compliquées. Mais ce qui est intéressant ici, dans cette maison neuve, c'est votre propre travail personnel, votre propre voyage intérieur. Avec le pape inversé, on a une émancipation en route. Et donc, ça, c'est génial parce que on voit que vous suivez, hein, vous avez décidé d'entendre les signes, vous avez peut-être une légère envie de changer des choses. Et bien que la déstabilisation vous amène à vous recroqueviller, il y a un désir d'émancipation de votre part. Et il y a un travail sur le fait de se détacher d'eux. Alors, est-ce que ces deux cartes-là peuvent être liées et vous amener à un travail personnel profond de changement dans une forme de lien trop fort? Alors, on pourrait être... Là, par exemple, avec ça, on peut tout à fait travailler sur une dépendance affective. Par exemple, hein, c'est absolument pas la seule chose, mais là, avec un schéma comme celui-ci, on pourrait vous dire que votre mission cette année, c'est de travailler sur la dépendance affective, avec une réouverture progressive sur l'extérieur. Bien que les balances, normalement, vous êtes très sociables, hein, on voit bien que cette année, c'est très marqué quand même, ce repli. Alors, est-ce que ce repli, il est nécessaire pour faire ce travail? Est-ce que c'est un repli méditatif? Est-ce que c'est un repli
pour vous défendre, pour vous sécuriser, parce que vous vous sentez déstabilisé dans le quotidien avec l'empereur inversé. Tout ça, c'est des questions qu'il va falloir vous poser et auxquelles il va falloir répondre pour que vous puissiez cheminer. Donc, on a quand même un travail d'émancipation. Vous voulez vous sortir des dogmes, vous voulez vous sortir de ce qui est communément admis, hein, ce que l'on est soi-disant en train d'attendre de vous. Le pape inversé, il se dégage de tout ça et il se suit lui-même. Donc là, on a sur cette maison 9 un très beau travail intérieur qui vous permettra d'être beaucoup plus aligné, si c'est ce que vous souhaitez, et d'être vraiment avec, en accord avec votre authenticité profonde. Sur le plan de la carrière, on a la roue de fortune inversée. On nous dit pour l'instant, ça ne devrait pas trop bouger. Il n'y a pas vraiment, de nouveaux cycles qui s'amorcent. Alors, ces changements-là, financiers ou matériels, ne vont peut-être pas se faire en lien avec le travail. En tout cas, pas avec la carrière en elle-même. Hein. Vous pouvez faire des changements, mais vous ne partez pas en reconversion visiblement. De toute façon, on vous dit que c'est pas trop le moment. La roue de fortune inversée n'est pas spécialement négative. En tout cas, moi, je la trouve pas négative. Elle dit juste, pour l'instant, les choses ne peuvent avancer. Il faut s'y faire, il faut s'y adapter. Hein. Il faut accepter que ce n'est peut-être pas le moment parce que les choses sont en train d'évoluer un peu en souterrain. Il y a un temps incompressible nécessaire à l'évolution des choses. C'est ce que nous dit la roue de fortune inversée. Et donc, elle ne garantit pas un échec ou un blocage total. Elle nous dit simplement que ce n'est pas pour tout de suite. Donc ici, on vous dit la carrière est à réfléchir pour autre chose. Mais à mon avis, vous allez être très centré sur votre travail personnel. Hein. Je pense que c'est pour ça que la carrière est un petit peu mise de côté. Cela dit, il n'y a pas vraiment de problématique profonde sur la carrière a priori. Votre maison 11, ici, avec la force inversée, qui va nous parler de vos amitiés, nous dit que vous allez peut-être être un petit peu soumis à des contraintes qui ne vous conviennent pas. Alors, est-ce qu'il y a des amitiés qui exigent des choses de vous qui ne vous conviennent pas? Est-ce que, du fait de votre repli, il va y avoir des difficultés dans vos amitiés? C'est possible. La force inversée n'est pas une carte extrêmement négative. Effectivement, elle va nous parler de contraintes, elle va nous parler de soumission un peu. Hein. Voilà, quand je disais, on est soumis à des événements ou à des choses qu'on ne maîtrise pas. Ok, ça peut aussi nous parler de fatigue. Alors, ça peut nous dire que vos amitiés vont vous fatiguer. Peut-être que vous allez avoir l'impression de donner trop aux autres. Hein. Là, il faut vraiment faire attention, vous préserver. C'est très chouette d'être présent pour les autres, mais jamais au détriment de votre propre énergie, de votre propre bien-être. Et on voit que ça va de toute façon, la sollicitation amicale va aller contre votre besoin de repli et de travail personnel. Donc forcément, ça va vous fatiguer. Donc n'hésitez pas à dire, pour l'instant, je suis pas trop disponible, j'ai besoin d'un temps pour moi. Les vrais amis comprennent ça, ils seront tout à fait capables de vous laisser votre temps. N'hésitez pas à dire les choses, hein. Soyez en tempérance inversée. Si vous me suivez depuis un moment, à chaque fois que je sors la tempérance inversée pour vous, je suis contente. Je dis, ah, vous allez enfin pouvoir dire ce que vous ressentez et ne pas vous plier, hein, au consensus collectif. Donc ici, n'hésitez pas à dire vos besoins à vos amis. Ne vous sentez pas contrainte ou contraint. La maison 12. Alors, ce qu'il va falloir accepter, hein, c'est le défi de l'année. Ici, on a la transformation, ce que l'on a à faire. Et j'aime bien lire ces deux cartes-là dans une roue astrologique. Elles sont pleines d'informations parce qu'en gros, c'est un peu votre mission de l'année. Votre mission de l'année, c'est d'accepter les changements en douceur et lent. Mais surtout, ce qui est important, c'est que vous allez devoir accepter de ne pas y voir très clair, de ne pas avoir une visibilité à long terme ou une bonne visibilité sur les choses. Vous devez accepter d'avancer à tâtons avec le soleil inversé. Vous devez accepter aussi la frustration, me semble-t-il. Hein. Si je les relis, ces deux-là, il y a de la frustration. Donc, avec le soleil, on vous dit, oui, peut-être que vous n'y verrez pas très clair, mais il y a une bonne posture qui est là. Hein. C'est comme si vous aviez choisi, en même temps de votre difficulté de l'année, vous vous étiez choisi un allié de poids quand même, qui est l'étoile, c'est-à-dire qu'avoir une disposition assez optimiste, assez à l'écoute et en lien avec les signes, va vous permettre de naviguer dans l'obscurité, dans le flou que cette année devrait apporter. On a pour vous, sur l'année 2022, un beau travail personnel à réaliser qui aura effectivement des conséquences sur votre vie sociale, mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de catastrophe particulière. Vous avez un cheminement
qui fait que vous avez besoin d'aller vers une émancipation, vers des changements profonds. Pour cela, vous allez vous replier un petit peu sur vous et vous allez surtout adopter dans pas mal de domaines une vision différente des choses. L'étoile vous y aidera, vous êtes protégé également, hein, c'est ce que nous dit l'étoile, il y a quand même une belle protection, vous serez guidé, mais vous serez guidé, je pense, parce que vous avez enclenché ce travail et que tout chemin d'âme, hein, tout but d'une âme est quand même d'évoluer. Et donc, quand vous enclenchez ce travail-là, vous êtes aidé, vous êtes soutenu d'une façon ou d'une autre. Voilà pour votre roue astrologique. On va aller voir les contextes et les conseils pour les 12 mois à venir. Donc, je vais remonter la roue astrologique juste au-dessus pour la garder sous les yeux. Comme ça, je pourrai y faire référence s'il y a des choses, enfin, quand il y aura des liens avec ce qui va sortir. Alors, hop, je vais essayer de ne pas vous la mettre. Ce soit quand même sympa. Voilà. Et donc, je vais prendre les trois autres jeux. Donc ici, on aura le contexte, le conseil et le résultat. Une carte pour chaque mois. Je vais accélérer le temps que je tire les cartes. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà. Donc, on va faire mois par mois les contextes à venir. On y va pour janvier. 9 de coupe, cavalier de bâton, le soleil. Ok. Alors, le mois de janvier devrait être sympathique. Le mois de janvier, avec le 9 de coupe, on est dans quelque chose d'assez idéal. Alors, est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions? Est-ce que vous arrivez à faire un petit peu les choses que vous souhaitez quotidiennement dans votre vie? En tout cas, avec le 9 de coupe, on est sur quelque chose qui nous indique qu'on a, on a une vision idéale des choses et on y aspire et on met on essaye de mettre en pratique ce qui va nous amener vers ça. Le cavalier de bâton vous dit: allez-y, persévérez, il n'y a pas de souci. Il y a une belle période, il y a du plaisir qui est pris avec le 19, hein, avec le soleil. Le mois de janvier devrait être sympathique, devrait vous apporter de la joie, des bons moments. Donc bon, ok, le mois de janvier, il n'y a pas d'événement particulier, vous êtes plutôt quelque chose dans le bien-être. Février. 7 d'épée. Ah oui. Bah, profitez bien du mois de janvier. Non, je rigole. Mais quand même, hein, le 7 d'épée ici vient nous dire que il y a quelque chose dont vous ne parlez pas. Quelque chose dont vous ne parlez pas ou quelque chose dont on ne vous parle pas. Il y a quelque chose de caché. Le contexte est au secret. Alors, comme je disais toujours, les secrets ne sont pas forcément négatifs, hein. On peut vous faire une surprise, vous pouvez avoir un projet dont vous ne souhaitez pas divulguer tout de suite l'objectif pour ne pas être détracté par justement des gens qui n'auraient pas vos affinités, vos aspirations. Donc le 7 d'épée, il vient pas forcément nous parler de trahison, il vient pas forcément nous parler de choses catastrophiques, il peut bien évidemment, mais il peut aussi nous parler de tout ce que l'on préfère garder pour soi, de tout ce que l'on cache, pour évoluer tranquillement, hein. Quand on dit vivons pour vivre heureux, vivons cachés, le 7 d'épée pourrait tout à fait refléter cette maxime. Sauf que, avec la tour, on vous dit quand même, essayez de mettre les choses au clair, essayez d'y voir clair par rapport à ça. Donc deux aspects, soit c'est vous qui cachez des choses, et on vous dit, bah, essayez d'être quand même au clair par rapport à ce que vous cachez. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le cacher? Est-ce que ce n'est pas dangereux? Là, on est sur le conseil, on n'est pas sur l'événement, d'accord? Donc, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de catastrophe. On vous conseille juste de... on pourrait vous conseiller de prendre un risque. Hein, le conseil de la carte de la tour, c'est de prendre le risque. Mais j'ai aussi envie de vous questionner. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que ça ne risque pas d'exploser? Est-ce que ça ne risque pas de se savoir? Il y a vraiment ce genre de choses. L'autre aspect, c'est si on vous cache des choses. Si le contexte est au fait qu'on vous cache quelque chose, eh bien, la tour ici va vous conseiller d'aller tenter de mettre de la lumière sur ce qui est sombre. Alors, si vous avez une intuition, et alors si et seulement si, hein, je ne veux pas dire que tous les balances, on va raconter des mensonges à tous les balances ou que tous les balances vont mentir. Ça peut être quelque chose que vous gardez pour vous, mais qui n'a pas forcément d'impact, mais peut-être que la façon dont vous le faites peut vous amener des soucis.
Vous savez, des fois, on s'emberlificote, il y a quelque chose de pas très important, on n'en parle pas, et puis en fait, ça prend des proportions qui sont complètement incroyables. C'est tout le sujet des vaudevilles en général dans les pièces de théâtre, d'un tout petit truc, hop, ça monte en épingle, et du coup, ça devient une affaire incroyable, alors qu'à la base, c'était juste, ça, c'était pas utile de le dire. Voilà, c'est un peu, ça peut être tout simplement ça, comme ça peut être quelque chose de très important, effectivement. Quoi qu'il en soit, à la fin du mois, que vous ayez caché, qu'on vous ait caché, que vous ayez décidé de dire ou de pas dire, ou que vous ayez décidé d'aller chercher, peu importe, on vous dit qu'à la fin du mois, il y a quand même la définition d'une stratégie. Il va falloir quand même décider de comment. Avec le 2, on a toujours un choix qui s'opère, hein. Il y a quand même toujours, même si c'est pas le 2DP et pas la carte fondamentale qui va nous parler d'un choix, elle nous dit il y a quand même une stratégie à définir, il y a une orientation à prendre, et quand il y a une orientation à prendre, forcément, il y en a à laisser derrière soi. Donc ici, on vous dit par rapport à ça, il va falloir définir une stratégie. Bon. Mars, 6DP, l'étoile. Page de coupe. Ok. Bon. Vous aviez probablement un projet caché ou ce projet ou cette chose qui n'était pas connue vous amène en fait à faire une transition. Vous vous souvenez, l'arcane 13 inversé, je vous ai dit, il faut changer les choses tranquillement, ça se fait en transition, ce n'est pas dans la violence, tout ça. Eh bien, la mineure de la 13, c'est celle-ci. C'est la 6 d'épée qui nous dit qu'il y a. On passe d'une situation A à une situation B. On est entre les deux. Évidemment, on ne sait pas trop bien où on est entre les deux. C'est pour ça qu'on vous conseille de suivre votre étoile, de suivre les signes, hein, et surtout de suivre votre cœur. Le page de coupe, il y met son cœur. Il est à l'écoute de son intuition, de ses envies, de ce qui lui plaît. Donc ici, avec ce 6 d'épée qui vous invite. Hein, qui vous dit que le mois de mars sera une transition et que dans cette transition, on vous invite à écouter votre cœur et les signes, eh bien, vous avez probablement pris une orientation et dans cette orientation, laissez-vous guider. Vraiment, au mois de mars, laissez-vous guider par les signes et votre cœur. Avril. Tempérance. 5 de bâton. Encore le 7 d'épée. Bien. Ok. Alors. On vous dit tempérance, le climat sera soit la communication au dialogue, au compromis. Hein, peut-être que là où les choses vont vous amener, ça vous demandera peut-être de tempérer un peu les choses. Le 5 de bâton, on vous conseille quand même de défendre vos intérêts ou en tout cas de défendre vos arguments si les choses sont sues. Mais par contre, on vous dit aussi que vous allez probablement garder toute une sphère de cette. Chose là, hein. Donc encore une fois, ça peut être un projet professionnel que vous développez secrètement parce que vous n'avez pas envie qu'on vous coupe les ailes. Ça peut être une relation, hein, tout simplement, que vous soyez en couple ou non, hein, d'ailleurs. Hein, ça peut être une relation que vous gardez secrète parce que vous ne voulez pas le dire à vos enfants ou vous ne savez pas trop où ça va. Voilà, ça peut être aussi un projet de loisir, un projet artistique. Ça peut être tellement de choses que tout ne me vient pas à l'esprit, mais vous ferez le lien de toute façon puisque ça vous appartient. Donc on voit bien ici que de toute façon, on vous demande de cacher encore des choses, de ne pas tout dévoiler, ou en tout cas, c'est ce que vous ferez, quoi qu'il arrive. Mais en partie, il y aura de la négociation, il y aura du débat d'idées. On vous dit, voilà, défendez votre situation avec des arguments. Vous serez dans le compromis, ça c'est sûr, même si on voit bien que ça peut, hein, ici, je vous ai dit. En 11, on a la force, hein, ne vous soumettez pas de trop quand même. Et pareil dans le 3, hein, dans la maison 3, toutes les maisons qui sont en rapport avec les autres, on voit qu'il y a de la frustration et de la soumission. Donc attention quand même que ce soit des vrais compromis, c'est-à-dire que dans le compromis, chacun doit y trouver son compte. Il n'y a pas je cède à la faveur de l'autre. Donc faites attention que ce contexte de compromis soit du vrai compromis. Que vous puissiez défendre vos intérêts et garder encore une petite part des choses secrètes ou pour vous-même. Allez, mais. Ok, on a beaucoup d'épées hein, quand même, il y a beaucoup de mental. Hein. Ça peut être votre travail personnel aussi, hein, vous savez. Peut-être que justement, comme je vous disais, il y a un repli. Je vous dis, il y a un repli sur vous-même, dans votre foyer, tout ça, pour permettre un développement personnel, on peut tout à fait être là-dedans. C'est-à-dire que vous voulez garder cette part de travail personnel pour vous, et ça peut susciter des questionnements par rapport à votre entourage. Hein. On peut être simplement sur ça. Hein. Mais
Ici, avec le page d'épée, on voit que vous cherchez à comprendre, hein. Le mois de mai sera un mois où vous apprendrez des choses. Le page d'épée, c'est celui qui a besoin d'avoir de la connaissance pour comprendre. Donc, il va se renseigner. Alors, bien évidemment, c'est celui qui va faire une formation s'il a envie d'être performant dans une discipline, mais c'est celui qui va essayer de comprendre ce qui se passe chez une amie ou son conjoint ou quelqu'un d'autre de sa famille, peu importe, s'il trouve que son comportement est différent. Le page d'épée veut savoir, veut comprendre. Donc, votre contexte du mois de mai sera: je veux chercher à comprendre, je veux trouver les informations nécessaires à une meilleure compréhension. Si vous êtes en travail personnel, en développement personnel, vous allez lire des bouquins, vous allez chercher de l'information, vous allez rencontrer des thérapeutes pour qu'ils vous expliquent. Hein, on a vraiment tout ça avec le page d'épée. Le 2 de pentacle, on vous conseille quand même d'essayer de faire une sorte de synthèse, de maintenir un équilibre. Alors, je pense qu'on vous met en garde sur le fait que le page d'épée peut très vite être englouti dans cette dynamique-là. Et donc, vous pourriez ne faire que ça et être un peu absent ou absente du reste. Essayez de concilier. Regardez, le 2 de pentacle, c'est la mineure de tempérance. Donc, on a quand même dans le conseil et dans les faits quelque chose qui doit s'harmoniser. Il y a une quête. Il y a une volonté de savoir, alors là encore, hein, je vous dis que ça peut être votre travail personnel, mais vous pourriez être en relation avec quelqu'un dont vous ne comprenez pas trop bien le comportement et vous allez chercher à comprendre à ce moment-là. Hein, et donc, vous lirez des bouquins sur, je ne sais pas moi, la personnalité fuyante, la personnalité dépendante affective, que sais-je. Je vous donne des exemples, peu importe. Ça peut vous absorber et on vous dit, attention, conciliez les choses quand même, trouvez un équilibre, n'allez pas... ne vous perdez pas là-dedans, hein, parce qu'il a un petit côté compulsif, le page d'épée, hein, sur la connaissance, sur le fait de savoir. C'est aussi celui, vous savez, alors à minima, moi je ne l'utilise pas trop dans ce sens-là, parce que je trouve que c'est très restrictif de cette carte-là, mais souvent, c'est celui qui espionne. Aujourd'hui, c'est très à la mode d'aller sur les réseaux, voir ce que fait un tel ou une telle pour savoir où il était, avec qui il était. Eh bien, le page d'épée fait ça. Et ça peut avoir un côté assez compulsif, assez, voilà, assez destructeur. Donc, c'est en ça que le 2 de pentacle et la tempérance vous demandent sur le mois de mai de bien évidemment exercer votre besoin de savoir, mais de rester dans un équilibre. Juin, 4 de pentacle, l'empereur, le chariot. Très bien. Ok. Probablement que ce que vous avez glané comme information vous permet de venir sécuriser certaines choses, comprendre, hein. On voit que le 4 de pentacle, alors c'est sauver les meubles, le 4 de pentacle, c'est s'accrocher à l'essentiel, hein. Vraiment, moi, je l'interprète comme ça, s'accrocher à l'essentiel, revenir aux sources un peu. Alors, pas autant qu'avec le jugement, bien évidemment, puisque c'est une mineure, mais on a vraiment cette notion de... vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de frustration, je vous parlais de repli un petit peu sur vous, je vous parlais de déstabilisation ici. On voit quand même que sur le mois de mai, il y a une récupération de stabilité. Vous arrivez à réancrer les choses et à repartir. Donc là, probablement que tout ça, c'est venu vous mettre un peu en difficulté, puisqu'on voit qu'on a tempérance ici, on a tempérance là, on vous demande de retrouver l'équilibre, on vous demande de tempérer, de trouver des compromis. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'un peu flottant. Et ici, 4 de pentacle, on ancre, on fixe, empereur, on fixe encore plus, c'est une majeure, chariot, c'est une majeure également, on avance, on progresse. Donc, le mois de juin sera un mois de progression pour vous, d'ancrage, hein, c'est comme si on venait verrouiller, je vais faire le parallèle avec de l'escalade. J'en fais pas, mais dans ma représentation, il y a des stades où, une fois que vous avez atteint une certaine hauteur, vous venez refixer des nouvelles choses pour sécuriser votre position à partir de là. Eh bien, on a l'impression que c'est ça qui va se passer. C'est une fois un palier atteint, vous allez verrouiller ce palier et vous allez continuer à avancer, mais vous ne pourrez pas revenir en dessous de ce palier. Vous savez que si ça échoue, là, cette avancée, vous reviendrez sur ce que vous avez consolidé avant. Et donc, c'est ce qui se passe au mois de juin. Ok, donc ça, c'est pas mal. Juillet, la lune, le monde, le magicien. Trois arcanes majeures. Le mois de juillet va être vraiment très important puisqu'on vous dit que grâce à votre créativité, votre ouverture d'esprit, vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau. Eh bien, alors, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être un job, ça peut être n'importe quoi finalement, hein. Parce que là, on est parti du principe que il n'y avait pas forcément de réorientation professionnelle, mais vous pourriez être en inactivité. Là, on a trois arcanes majeures qui nous dénotent quand même un contexte très créatif, très fécond,
On vous conseille de viser haut. Hein. Le conseil du monde, c'est viser plus haut, voyez plus grand, réalisez-vous, visez votre épanouissement. Hein. Et le magicien, dans les faits, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Donc, ça, c'est quand même un super mois. On voit bien que dès juin, là, hop, il y a comme un cliquet qui s'opère. Vous avez verrouillé quelque chose, du coup, vous vous permettez d'avancer et c'est très porteur. Regardez, on a le 7 ici, le monde là. Franchement, il nous manque que le soleil hein, pour avoir le triptyque de la réussite. Donc, juillet, mois très important, vous aboutissez dans quelque chose. 5 de pentacle, 5 d'épée, reine de pentacle. Ok, donc c'est ce que je vous disais. Ici, on a verrouillé, on voit bien que la reine de pentacle nous dit qu'on est toujours en sécurité. Il y a toujours une sécurité de base ici parce que la reine de pentacle a construit ce qui lui est nécessaire pour être sereine. Donc, dans les faits, pas de déstabilisation des acquis. Par contre, peut-être que ce mois-ci-là et ce nouveau départ vient réveiller des peurs. Le 5 de pentacle, peur de la misère affective ou matérielle. Le 5 de pentacle, son message est très clair. Ce n'est pas une peur fondée. Parfois, ça peut l'être, mais pas quand il y a le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle vous dit votre peur, elle vient de votre construction. Elle vient probablement de traumatismes antérieurs, mais elle ne vient pas d'une réalité de la situation. C'est-à-dire que vous ne risquez pas de vous retrouver en difficulté. Et là, je le confirme, puisqu'on a verrouillé la base, on est dans une situation ancrée, stabilisée, et la reine de pentacle vient nous dire que c'est verrouillé, il y a quelque chose qui nous sécurise, on n'est pas en danger. Ça peut être affectif également, d'accord? On n'est pas que sur le matériel, là. Hein. Ça peut être, on verrouille le minimum, on s'engage dans la durée et on avance, vous voyez? Et donc, la reine de pentacle aussi peut nous parler de sécurité affective. Ici, vous avez des peurs qui se réveillent, il y a des choses... probablement peut-être qui vont trop vite ou qui vous tourmentent. Et donc, on vous conseille de faire attention, alors à l'ego, mais surtout aux petites batailles qui pourraient vous desservir. Le 5 d'épée, souvent, on l'interprète comme l'ego, hein, les batailles d'ego où on veut à tout prix gagner, mais bon, la victoire est amère parce que finalement, on voit qu'on s'est entêté même quand on avait tort. Je dirais qu'il y a une autre subtilité. Parce que l'ego, c'est pas que ça. L'ego, c'est ce qui vous protège. C'est celui qui va réagir à l'agression ou à ce que vous identifiez comme, enfin, ce que nous identifions, parce que je me mets dedans, comme une agression. Quand quelqu'un vient vous piquer là où ça fait mal, vous réagissez parfois en rejetant, en déniant, en étant peut-être agressif ou vous fuyez. Ça, ce sont des réactions de l'ego. Et donc, est-ce que vos peurs ne pourraient pas amener des réactions comme ça? Est-ce que si on vient vous chatouiller sur vos peurs, vous n'allez pas pouvoir réagir comme ça violemment en les rejetant, ne voulant pas l'accepter? C'est une question que je vous pose. C'est intéressant de se la poser. Quand il y a une situation où on sent qu'on rejette, on repousse, ou il y a de l'agressivité ou de la colère qui monte, je trouve que c'est intéressant de venir se questionner sur qu'est-ce que ça a touché comme peur, comme difficulté, comme traumatisme, comme faille, pour que j'ai une telle réaction. Parce que dans les faits, j'ai une sécurité. Je ne suis pas en danger. Donc, au mois d'août, je vous invite à vous questionner sur ces plans-là parce que, visiblement, des peurs qui ne sont pas justifiées viennent vous perturber. Septembre, cavalier de pentacle, 3 de pentacle, le pendu. Le mois de septembre sera à la reprise des efforts. Le cavalier de pentacle, c'est celui qui sait qu'il a un objectif un peu lointain et qu'il doit fournir des efforts réguliers, constants. Donc, ça sera, alors bien évidemment c'est la rentrée pour beaucoup, hein. En tout cas c'est, je sais bien que tout le monde ne marque pas la rentrée en septembre, mais même si vous n'êtes pas dans une dynamique avec le suivi, on va dire, de l'année scolaire, il y a quand même une reprise d'activité plus flagrante en septembre, donc peut-être que ça peut aussi vous concerner. Donc reprise d'efforts, hein, on remet un petit peu un coup de collier sur ce qu'on a à faire ou sur les choses pour lesquelles on veut avancer. On vous conseille quand même de regarder déjà les résultats. Il y a déjà des résultats. Vous pourriez être découragé de ne pas obtenir plus de résultats ou de ne pas en voir davantage, mais on vous dit quand même, le 3 de pentacle, c'est regardez, il commence à y avoir le fruit de votre travail. Il commence à y avoir de la reconnaissance également. Le 3 de pentacle, c'est ce que j'ai fait est reconnu par les autres. Donc, on commence à voir que vous faites des efforts, on commence à voir que vous avez mis de l'énergie dans quelque chose. Encore une fois, peu importe quoi. Et donc, on vous conseille vraiment de vous motiver à l'aide de ça, hein, de cette vision-là.
Le pendu nous dit que à la fin du mois de septembre, les choses risquent peut-être d'être un peu à l'arrêt, le pendu bloque, bien évidemment, mais c'est pour vous permettre de modifier votre façon de voir. Hein, regardez ici, on avait le pendu dans la maison 5, donc avec les enfants, dans les loisirs ou les amours, ça fait quand même pas mal de domaines. Eh bien, on vous dit, il va falloir adopter une autre vision des choses. Et pour ce faire, on va vous octroyer un petit temps de pause de blocage, hein, pour vous obliger finalement à vous mettre dans cette posture-là. Octobre. 10 de bâton, 7 de bâton, 4 de bâton. Ok. 10 de bâton, j'arrive au bout de quelque chose, je peux déposer un fardeau. Peut-être que le blocage s'arrête. Le 7 de bâton, on vous conseille de défendre encore vos valeurs, votre territoire, ce pourquoi vous vous battez ou ce en quoi vous croyez. Le 7 de bâton, c'est le degré un petit peu au-dessus du 5. Le 5, on vous demande de faire un débat d'idées, de donner vos arguments pour essayer de trouver un accord. Le 7 de bâton, on est un petit peu plus incisif. On se bat pour ce en quoi on croit. On se bat pour ses valeurs. On est vraiment, on lâche pas. Hein, on lâche pas et on vous dit, vous allez pouvoir fêter des réussites, des choses qui vont s'ancrer, qui vont se pérenniser. Le 4 de bâton pérennise les choses. Vous savez, ça peut être la carte des mariages, par exemple, hein, parce que on entérine quelque chose qui va être pérenne avec joie. Donc, on célèbre les choses qui s'ancrent, les choses qui s'engagent. Il y a, avec le 10 de bâton ici, un contexte de nouvelles pages de vie, de nouveautés, de choses qu'on laisse derrière soi parce qu'on a produit des efforts. La vision du 10 de bâton, c'est j'ai produit des efforts du 1 au 10 de bâton, je peux enfin déposer le fardeau parce que je suis arrivée au bout, j'ai réussi, j'ai atteint mon objectif et je peux me relancer dans une nouvelle aventure ou dans quelque chose de nouveau. Donc ici, est-ce que vous célébrez le fait d'être arrivé au terme de votre projet qui semblait bloqué, mais votre vision différente a probablement permis de débloquer les choses? Est-ce que vous êtes en train de défendre la continuité de votre projet et que vous savourez la finalité, probablement, quoi qu'il en soit, vous atteignez un objectif en octobre, on vous demande de défendre quand même encore vos résultats ou vos convictions, mais vous célébrez quelque chose qui vous convient, qui s'ancre. Novembre, 3 de coupe, 5 de pentacle, 7 de coupe. Le 3 de coupe va vous dire que l'ambiance sera à la fête, à la passion, à ce que vous aimez faire. Le 3 de coupe, c'est clairement alors c'est les coups de foudre, mais bon, moi j'aime pas trop, c'est quand même assez rare, hein, donc c'est surtout ce qu'on fait avec passion, c'est l'énergie débordante, c'est la fougue, c'est l'enthousiasme, c'est tout ça, mais par rapport à quelque chose qui mobilise affectivement, hein, parce que sinon on est dans le 3 de bâton, ou enfin dans l'as de bâton pour le rider et le 3 de bâton pour le Marseille, hein, qui lui nous parle d'une énergie incroyable, ce qui n'est pas le cas dans le rider. Donc ici, le 3 de coupe, c'est vraiment j'y vais avec enthousiasme, plaisir, passion. Voilà, j'y vais avec passion. Donc il y a quelque chose qui vous passionne, hein, au mois de novembre. Il y a quelque chose qui vient vous... alors, est-ce que le fait d'avoir vu les choses sous un autre angle par rapport à vos passions vous a permis de démarrer quelque chose et vous vous y sentez bien? On vous dit encore attention à vos peurs. Attention qu'elles ne viennent pas encore vous gréver les choses parce que vous avez plein de possibilités. Donc n'allez pas vous fermer des portes à cause de vos peurs. Donc il y a des choses qui peuvent venir vous passionner sur le mois de novembre. Attention de ne pas faire réactiver vos peurs qui étaient par là, hein, le 5 de Pentacle, on l'avait vu ici, je crois. Donc ne laissez pas vos peurs se réactiver. Et dans les faits, sur le mois de novembre, vous aurez des opportunités, vous aurez des options à étudier. Ça, c'est flagrant. Le 7 de coupe, c'est vraiment les opportunités. Alors, bien sûr, vous ne saurez pas laquelle choisir. Évidemment, hein? Allez, une petite blague, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite. Vous êtes balance, comment voulez-vous choisir? Donc, en tout cas, il y aura des opportunités, il y aura des choses qui seront ouvertes parce que je crois que vous aurez adopté la position du pendu qui vous aura permis de défendre un certain point de vue, d'ancrer une deuxième phase. Hein? Ici, on a déjà ancré une première fois. Ici, on ancre une deuxième fois des choses, on célèbre. On peut repartir avec passion. Il y a toujours l'ombre de vos peurs, mais j'ai envie de dire qui en est dénué, qui n'en a pas. Je pense que c'est assez rare, donc c'est assez légitime de les voir apparaître. Je ne crois pas que vous vous laissiez trop déstabiliser par celles-ci. En tout cas, il va falloir les laisser de côté. Décembre, 7 de Pentacle, la récolte, la force, super, et le 8 de Pentacle. Ok. Le 7 de Pentacle nous dit qu'en décembre, vous récoltez
une partie des choses. Alors, je pense que votre projet, hein, votre transformation, vous savez, hein, ce que je vous ai dit, vous aviez à vous transformer lentement, va peut-être prendre plus d'un an. Parce qu'ici, on voit qu'on a des points qui ancrent, hein, qui marquent une progression dont on ne pourra pas régresser, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, ici en juin, ici en octobre. Et là, on voit qu'on a une récolte. Mais le 7 de Pentacle est une récolte encore intermédiaire. On récolte le fruit de son travail, on récolte le fruit de ce qu'on a investi, de ce qu'on a fait, hein, de ce qu'on a mis en œuvre. Mais avec le 8 de Pentacle, on voit qu'il y a encore d'autres efforts à fournir. Donc au mois de décembre, les choses ne vont pas s'arrêter pour vous. Il y a encore la continuité de ce que vous avez enclenché sur 2022. Ici, la force vous conseille d'être persévérant, tenace, hein, de tenir bon. Évidemment, c'est long. Visiblement, vous changez les choses, mais sur une année pleine, voire plus. Donc, ça demande endurance, ça demande de la confiance, mais vous êtes quand même en posture de l'étoile en maison 1, ce qui devrait vous aider à maintenir le cap, à garder l'espoir et la motivation pour aller vers votre réalisation personnelle, votre émancipation et probablement une meilleure façon d'interagir pour vous, avec vous-même et avec les autres. Bon, désolé pour le bruit. Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion, de travail personnel, parce que c'est son seul objectif. C'est pour ça que je fais mes guidances. Donc voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose pour cette année. Que je vous souhaite la plus belle possible. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Au revoir.